like you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés. Bah écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour ce Get Ready With Me Today. Je me suis préparée, je vous ai raconté des petites choses perso aussi, et je vous montre un petit peu en live comment réaliser ce make-up. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très bientôt. Bisous. Donc on commence tout de suite les filles, puisque j'avais envie de parler un petit peu avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Moi je prends la Nivea Visage, dénage, renouvellement cellulaire, pardon, fermeté et éclat, soin de jour. Donc celle-là, il faut que je la termine. Je l'ai trouvée bien quand je l'ai achetée, parce que vraiment, elle est sympatoche. Mais au final, sur la durée, un peu moins. Mais bon, c'est pas grave, je la termine. Je l'aime bien, elle sent bon. C'est juste parce que quand certaines fois je ne vois pas ce que j'ai à finir, je ne les finis pas forcément. Donc, la raison du pourquoi de mes imperfections, bah, vous l'aurez peut-être compris, hein, c'est que bah, Lulu, bah, elle a craqué pour le saucisson. Chose que bah, j'évite hein, en général, parce que je sais que ça me fait bourgeonner, mais là, bon. Chez la belle-mère, il y a du saucisson, et puis Ludivine, ben, elle aime saucisson, alors voilà. Ensuite, je vais prendre quoi? Je vais prendre une bébé crème, donc c'est une bébé crème garnie, qui est trop orangée pour moi, donc je la mets au pinceau, comme ça, de manière très spartiate, parce que de toute façon, il faut que je la finisse aussi. Donc voilà, voilà. Ça a un petit peu parfaire la couleur du teint. Mais c'est vrai que je ne la trouve pas terrible, terrible par rapport à celle pour peau mixte à grasse. Parce que celle que j'ai, c'est la rose, vous savez, à bébé nude, je sais pas quoi. Je le mets notamment dans le cou et... dans le décolleté pour que après on voit pas trop de marques sur de démarcation en fait entre le visage et le corps ensuite au maquillage quoi on va dire. Donc quoi de neuf? Alors déjà c'est la rentrée. Donc pour toutes celles et ceux qui ont eu une bonne ou une mauvaise rentrée ou qui ont subi la rentrée, c'est pas grave parce que certaines fois on l'a subi quand même. Donc là je prends le cover stick de Maybelline pour corriger les petits boutons que je pourrais avoir. Donc il y en a un ici. Donc en fait ce stick là est vert, hein, c'est pour balancer la coloration rouge en fait du bouton. Donc oui, je disais pour ceux qui ont survécu à leur rentrée, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi pour l'heure je suis toujours à la maison pour l'instant, donc la rentrée, bon, pas de soucis pour ça. Moi, je la subis pas, on va dire, je suis toujours avec vous, donc ça me plaît toujours. Là j'estompe avec le même pinceau. Ensuite, quoi de vous dire de plus? En ce qui concerne l'entretien que j'avais passé, je vous mettrai le lien ici ou ici. En ce qui concerne l'entretien que j'avais passé, je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc pour celles qui me demandent, alors t'en es où? J'ai pas de nouvelles. Bien que j'ai recroisé le recruteur off lunch, comme quoi petits et grands, on peut flencher. Non, ouais, je suis allée flencher et puis je l'ai rencontré à cette occasion. Donc le gars, je l'ai harponné hein, littéralement dans le restaurant. Et puis il m'a expliqué qu'en fait, étant donné qu'il avait essayé de m'appeler, et oui, c'est vrai, j'ai eu un problème téléphone, donc il n'a pas pu me joindre. Là, je prends le Skin Tone Corrector Primer de Kiko parce que j'aimerais avoir un effet bonne mine. Alors que je le trouve, ça me fait l'effet plus cadavérique. Voilà.
Oui, donc je l'ai recroisé. Il m'a dit que finalement, il n'avait pas réussi à me joindre pour de plus amples renseignements et que suite à ce désagrément-là, il n'avait pas souhaité. Puis le projet a été mis un petit peu en attente. Donc je me suis dit qu'effectivement, étant donné que j'avais postulé vers le mois de juin, je ne me rappelle plus. Mais bon, vous aurez la date hein, sur le Get Ready With Me. Eh bien, je peux comprendre, hein, parce qu'en fin d'année comme ça, qu'ils n'aient pas donné suite au projet, c'est quand même con de prendre une assistante de direction pour une école alors que l'année est finie, quoi. Donc voilà. Donc j'ai bon espoir quand même que, bon, là, ils vont lancer leur année. Donc du coup, même s'ils ne m'appellent pas tout de suite, on va dire, parce qu'ils ont quand même d'autres chats à fouetter pour l'instant que de remettre quelqu'un à niveau dans leur équipe, etc., qui ne connaît pas les tenants et aboutissants de toutes les tâches administratives à gérer, on va dire. Donc pour l'instant, je peux comprendre ça fait à peine une semaine qu'on est rentré, donc voilà quoi. Pour l'instant, je comprends qu'il ne m'ait pas encore rappelé, donc je vous laisserai de toute façon au courant de l'avancée du projet. Et puis, donc là, on va passer à un anti-cerne que j'avais eu chez Noz, il me semble, un jour. Et pareil, c'est un truc que j'ai du mal à finir. Donc, et en plus, il est dégommé. Enfin, je sais pas si vous verrez, mais il est vraiment dégommé, quoi. Donc, du coup, je vais essayer de le terminer. Mais après, c'est pas grave si je le termine pas aujourd'hui, on va dire. C'est juste que, il faut que je le mette à disposition pour le voir et m'en servir. Et en plus, c'est con parce qu'il a une bonne odeur de noix de coco, quoi. Ouais, il sent pas mauvais du tout, il est agréable. Donc voilà pour le boulot, quoi, en gros. Puis sinon, moi, j'ai toujours prévu de rester avec vous pour le 30 jours challenge. N'hésitez pas à me commenter dans le 30 jours challenge, je vous mettrai le lien ici. Ce qui reste encore quelques créneaux disponibles. Parce qu'il y a des choses que je ne me vois pas faire. Tout simplement, les choses du genre, je prends le Beauty Blender que je viens de nettoyer, donc il est tout propre et il est encore humide. Donc en fait, pour savoir si un Beauty Blender est prêt à être utilisé, il suffit de le serrer très fort et voir si l'eau ne tombe pas. Si l'eau ne tombe pas, c'est qu'il est nickel. Donc je vais venir un petit peu estomper. Oui, donc voilà, 30 jours avec vous, ça va être super. Enfin, j'espère que ça vous plaira. Il reste encore quelques créneaux parce que je vous avoue qu'il y a certaines vidéos que vous m'avez suggérées, mais que techniquement, il me sera très compliqué de filmer. Notamment le make-up tour. D'ailleurs, bon, c'est tout, on va faire à Paris. Hein, si j'ai, je sais pas, le make-up tour. Étant donné le bazar que j'ai, franchement, vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que comme ça, mon côté en fait du loggia où je filme, il est vraiment relativement propre. Et encore, j'ai du bordel dans la. Enfin, j'ai pas encore tout organisé. Donc là, pour repulper l'aspect creux de voilà là. Alors là je fais la totale hein, parce que j'ai envie un peu de vous parler donc je vais faire beaucoup d'étapes. En plus c'est histoire d'utiliser un petit peu le produit que j'ai pas l'occasion d'utiliser d'habitude. Donc voilà. Là je prends le Erase Paste de Benefit que j'aime beaucoup. Histoire de repulper un peu le creux ici qui paraît vraiment très creux à ce que je peux le voir en caméra. Donc l'aspect rosé en fait vient repulper. Parce qu'en termes de couleur, on va le dire, tout ce qui est clair va donner du bombé et tout ce qui est foncé va creuser. Donc, c'est pour ça que le contouring vient creuser les ombres et illuminer les zones à relever dans le visage. D'ailleurs, ce sera l'objet de ma deuxième vidéo du 30 jours challenge. Mais je vous ferai de toute façon une petite vidéo pour vous récapituler le contenu du 30 jours parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui ne lisent pas les barres d'infos.
Donc malgré le fait que je l'ai mise à jour pour que vous puissiez avoir en temps réel ce qu'on m'a proposé, il y en a qui y vont pas. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous dire tout ça, on va dire. Ensuite, je prends... ça, c'était quoi? C'était... un illuminateur anti-fatigue que j'avais eu au Super U, que je déteste. Mais il en reste encore un chouïa, donc je vais l'utiliser en fait sur les paupières pour venir en gros faire la base quoi. Donc est-ce qu'il y a du produit qui va encore sortir de là-dedans? Parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais du coup. Bon, bah il n'y en a plus, donc ça c'est parfait. Hop, poubelle. Produit terminé. Donc ça c'est réglé, hein. C'est cool. Ensuite, ben moi je vais venir poudrer en fait le travail que j'ai fait sous l'œil avec la Nude Illusion de Catrice qui est en poudre libre comme ça. Donc tout simplement avec un petit pinceau. Voilà. C'est des pinceaux que j'ai eu sur AliExpress, hein. J'en suis d'ailleurs ravie. Hein. Honnêtement, AliExpress ne fait pas que de la merde. D'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos AliExpress qui vous attendent, donc à suivre. Voilà, j'ai un poudré pour que ce soit fixé, tout simplement. Alors, je vous ferai certainement aussi, peut-être, hein, hors 30 jours challenge, une vidéo sur comment se maquiller en 5 minutes. Parce que là, du coup, ça va pas du tout être en 5 minutes, puisque je vous cause et tout, je vous raconte ma vie, donc voilà quoi. Et tout simplement. Donc là, je vais appliquer un peu le fond de teint avec mon Beauty Blender. Hein. Je vais choisir quoi aujourd'hui? Je vais choisir... je vais choisir le Dream Nude Mousse que j'aime pas du tout, mais qu'il faut que je finisse aussi. Parce que il suffit que vous pleuriez pour que ça laisse une trace donc, de maquillage. Et vu que je ne prévois pas de pleurer aujourd'hui, hein, on va dire, je vais l'utiliser comme ça. Ça me fera l'occasion de l'utiliser, de le finir, quoi. Parce que si tu ne l'utilises pas, tu peux forcément pas le finir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors... en ce moment, c'est pas trop la joie à la maison, je vous avoue, parce que j'ai un papa qui va rentrer à l'hôpital, là, à Reims, donc bientôt, pour subir une opération. Donc bon, sachant que j'ai quand même un papa handicapé depuis quelques années déjà, et que je suis désolée de vous imposer ça, si vous franchement, ça vous fait chier... ne m'écoutez pas, hein, parce que là, vraiment, j'ouvre un peu mon cœur et il y a des filles qui ne pourraient ne pas aimer que je raconte ma vie. Donc ça, après, il n'y a pas de problème, je peux très bien l'entendre, je peux très bien le comprendre. Voilà, donc on se verra pour une prochaine vidéo. Voilà, mon père va se faire opérer des carotides parce qu'en fait, elles sont bouchées, donc ça risque de faire des AVC. Tout simplement. Elle en a fait quelques-uns ces dernières années. Toujours, heureusement, avec la présence d'esprit de dire à maman, enfin à ma mère, quoi, qu'il avait telle ou telle partie du corps qui semblait se figer, on va dire. Donc, il ne pouvait plus bouger le bras ou quoi que ce soit. Donc, c'est un des éléments qui précurseur, en fait, de la rupture d'anévrisme. Et de l'AVC, quoi. Donc, voilà, ça... sinon, Hugo va bien. Hein. Sinon, après, moi, le principal, vous savez, c'est mon fils, si vous allez par là, quoi, parce que c'est quand même... on a donné notre vie, on a donné la vie à un enfant, donc on n'a pas envie qu'il soit malheureux, qu'il soit pas bien. Après, les parents, c'est vrai que c'est peut-être méchant à dire, mais moi, j'ai l'habitude quand même que mon père soit malade, donc je m'y attends à tout moment. Donc voilà, ça fait 20 ans que je suis dans ma tête prête à entendre la dure réalité de la vie. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc là, je prends la Infinitone poudre en 03 que j'adore beaucoup. Unifiante ton sur ton. Donc voilà, c'est une poudre qui se présente comme ça. Elle est super bien, moi j'aime bien. Donc j'ai poudré le tout. En tapotant, bien sûr, pour pas déplacer la matière.
Sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc, les ambassadrices beauté, ça commence aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je ferai une vidéo, bien sûr, qui sera dédiée à ça. Sinon, quoi d'autre? Je suis ravie, hein, de toute façon, n'oubliez pas, hein, je suis ravie de lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, moi j'adore. Franchement, je prends plaisir à vous lire, à vous répondre. Voilà, tout simplement. Je vais passer au contouring, parce que vous savez que je peux pas vivre sans contouring, donc ça c'est sûr. Notamment, hein, après le blush, je m'en fous, j'en mets pas toujours, mais notamment le bronzer. Donc là, je vais choisir. Un bronzer aussi. Alors, je l'ai fait tomber. Donc, le. Là, pour le coup, le blush ici, il est déglingué. Enfin, c'est pas grave, hein, il est poubelle. Voilà. Ça, au moins, il sera fini. Donc, j'applique mon contouring. Alors là, on ne laisse pas comme ça. C'est sûr. Genre, tu sors dans la rue. Salut, ça va? Ouais, toi, comment que c'est? Mais t'as pris un coup ou tu te fais. Tu veux que je te donne le numéro des femmes battues? Non, c'est juste mon maquillage qui a été mal fait. Donc là, en fait, avec. Je remets pas de matière et je viens en fait creuser. Enfin, creuser, non. Assombrir. Parce que moi, j'ai un grand front quand même. Donc je viens assombrir les zones qui ont. Besoin en fait d'être assombri, notamment ici pour cacher les rondeurs, ici aussi si vous avez un double menton, ça vient en fait cacher un peu les bourrelets, on va dire, et puis aussi un peu ici sur le nez pour le rétrécir, pour le rendre moins gros. Et là en fait tout simplement on vient fondre la matière. Alors oui, hein, le maquillage c'est de l'estompage. Ça, c'est clair et net. Si vous maîtrisez l'estompage, vous êtes capable de faire tous les maquillages du monde. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, j'ai pas envie de faire plus, on va dire, que ça. J'ai pas envie de mettre d'highlight aujourd'hui, donc je vais passer directement aux yeux. Donc les yeux, je ne sais pas vous, mais je pense que je vais utiliser une petite palette toute simple pour voir un petit peu avec vous comment on peut jouer. Donc même si c'est de couleur, c'est pas grave, je vais choisir dans mon tiroir à palette et on continue ce petit maquillage ensemble. Ben, j'ai décidé d'opter pour le carnet de couleurs de chez Marionneau que j'ai eu pendant les soldes aux alentours de 2 €, qui se présente comme ça, si toutefois vous ne l'aviez pas déjà vu dans mon haul. Donc là, les blushs. Donc là, il y a un souci, hein, comme je vous disais, hein, parce que moi, ça, je vois pas. Si, peut-être Halloween. Oui, peut-être, effectivement, à l'occasion. Donc là, je vais sortir un peu mes pinceaux AliExpress. Donc c'est des pinceaux tout simples, hein, ils ont cette tronche-là. Vous les avez quasi tous vus, ils sont partout, ils sont super, ils sont pas chers. Honnêtement, moi, pour la qualité, je dis oui, quoi. Je dis oui sans hésiter. Donc là, ça, c'est une version à 10 pinceaux et ça, c'est la version 4 pinceaux. Donc, je vais venir avec un pinceau qui fait, qui chez moi, en fait, fait le clair, tout simplement. Donc, le clair, c'est pas cher. Blague, la blagounette. Donc là, je vais prendre. Voilà quoi. Là, je vais prendre le rosé pour faire l'entièreté de la paupière. Voilà. Pour l'unifier, pour tout ça, pour donner cet aspect rosé. Bon, alors là, par contre, il est irisé, mais hein, c'est pas grave. Hein. Moi, j'aime bien, donc je le porte très facilement. Sinon, j'avais quoi d'autre à vous dire? Je suis sans voix, les filles. Vous me laissez sans voix. On est bientôt aux 2000 abonnés, hein. Franchement, je vous remercie, hein, les nénettes, parce que
Moi, je fais pas forcément YouTube pour la gloire, mais quand je vois qu'on est autant et que vous me soutenez comme ça aussi souvent, et franchement, je pensais vraiment pas que vous allez faire autant partie de ma vie comme ça, tout le temps, tout le temps. Je pense à vous tout le temps, quoi, c'est un truc de ouf. Là, je vais prendre l'or ici pour faire le coin comme ça d'ouverture du regard en dessous du sourcil. Ouais, je pense à vous tout le temps. Même à ma mère et tout. Je dis, oh, bah. Quand elle me dit à quoi tu penses? Bah, maman, je suis en train de penser à ma prochaine vidéo ou il faut que j'aille répondre à des commentaires ou. Et en fait, ouais, c'est un peu ça. C'est vous faites carrément partie de ma vie, quoi. Je pense à vous tout le temps. Enfin, tout le temps. J'ai quand même une vie, mais c'est impressionnant. Je me dis aujourd'hui quelle vidéo je vais faire. Je me dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Ça me manque de trop. Donc à chaque fois, du coup, que Hugo me laisse 5 minutes de répit, franchement. Je saute sur l'occasion de vous filmer une vidéo. Et puis là, honnêtement, j'avais envie vraiment de prendre mon temps et de vous parler, de me maquiller tranquillement. Voilà, donc là, voilà, ça donne ça. Ensuite, je vais prendre le plus foncé. Je vais venir avec mon pinceau pour le plus foncé. Et je vais venir ici faire l'extérieur de la paupière, tout simplement. Et puis sinon, quoi de neuf? Oh là là, vous savez pas quoi? Moi, j'étais choquée. Je me suis rendue sur ma page des abonnés, tu sais, tranquille. Un jour où je savais pas quoi faire, et je vais jamais sur cette page-là, quoi. C'est-à-dire que j'y suis allée une fois parce qu'il y a une fille qui m'a dit, vas-y, abonne-toi à ma chaîne et tout. Et j'avoue que je vais quand même voir les chaînes qu'on me recommande, quoi. À part si c'est des spams. Si la fille, elle a envoyé le même mail à 400 filles, je le vois direct parce que quand on va sur son profil, on voit qu'elle a envoyé le même mail à tout le monde. Donc ça, voilà, je zappe complètement la chaîne parce que j'aime pas le phishing, tout simplement. Donc là, j'en mets un petit peu en ras de cils. Pour rappeler la couleur en fait de l'extérieur du regard. Voilà. Et donc je me suis rendu compte, vous savez pas quoi? Il y a Anna Potter qui est abonnée à ma chaîne depuis un mois, quoi. Vous savez pas qui c'est qu'Anna Potter? L'Anna Potter, elle a vraiment un dressing de ouf! Et Anna Potter, elle est géniale cette fille. Elle est trop belle. Elle est expatriée, elle a un cadre de vie magnifique. Elle a un dressing de ouf. C'est une fille, franchement, quand je la vois dans ses vidéos et tout et tout et tout et tout, c'est une fille où je me dis, on pourrait être potes, quoi. Parce que elle est. C'est du genre de fille qui fait des vidéos YouTube, des vidéos, oui. Donc là, je prends un peu le blush là pour. Fondre correctement l'entièreté des couleurs. Et en fait, cette fille, elle est en plus d'être belle, intelligente et tout. Franchement, je kiffe de trop. Voilà, c'est dit. C'est dit. C'est dit. Il y a des filles comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est comme Sonia, voilà, c'est des filles. Je suis tombée dessus. Bon, alors, Anna Potter, genre, je lui ai pas envoyé le même message qu'à Sonia, parce que Sonia, c'était genre. Salut Sonia, tu m'as tapé dans l'œil, vas-y, viens, on travaille ensemble. Et d'ailleurs, réponse à laquelle elle a sans hésiter répondu en me disant, ouais, il n'y a pas de souci, d'ailleurs, je l'embrasse très fort si elle me regarde. Là, je vais aller chercher mon Give Me Bro de Benefit, parce que franchement, mes sourcils, c'est pas la peine. C'est pas la peine, oui! Donc voilà, ça c'était une nouvelle que je voulais absolument partager avec vous. Donc je suis ravie, 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 ravie. Après, que dire de plus? Ben j'embrasse vraiment, vraiment, vraiment. Mais alors,
J'essaie de pas trop parler parce que les sourcils, c'est quand même important. Parce que si tu te retrouves avec un truc. Je sors quand même dans la rue après, hein, donc je peux pas trop me permettre de me rater, quoi. Mais vraiment, vraiment, du fond de mon cœur, j'embrasse et je remercie vraiment toutes mes abonnées. Ou alors tous, hein, aussi, parce qu'il y a peut-être des hommes. Mais vraiment, vous pouvez pas vous rendre compte, quand j'ai commencé ma chaîne, j'aurais jamais pensé. Attends, on est petit, hein. On est petit, hein. Ah ouais, mais c'est pas grave, hein. Moi, j'aurais jamais pensé. Avoir déjà presque. Oh, on doit être à 1700, c'est ça? Ben moi, même pas, j'aurais pensé avoir ça dans ma vie, quoi. Tu vois? Quand Balou, il m'a dit que. En gros, c'est lui qui m'a challengé. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu fais pas ça, toi? Parce que de toute façon, t'en as plein du maquillage. T'en as de partout, machin et tout, t'as des grosses caisses remplies. Moi, je dis, ouais, après tout, pourquoi? Pourquoi les autres, pas moi, quoi? Donc voilà, là je vais t'en. Bah non, c'était un crayon genre qu'on trouve chez Babou, Tati, tout ça, qui se déplie. Et là j'ai essayé le Dior chaud, donc c'est. Je sais plus comment il s'appelle, de toute façon c'est un truc qu'on m'a donné, mais. Parce que j'ai pas kiffé en fait quand je l'ai utilisé la première fois. Donc déjà, il s'agirait que j'arrive à l'ouvrir. Déjà. Déjà. Bon. Déjà, c'est mal barré. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc, heureusement que j'ai une serviette derrière moi. Et puis, sinon, on a plein de choses, quoi, quand même. Parce que là, le rythme va être effréné au niveau des vidéos. Parce que je veux absolument. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc, super. J'ai dû le fermer comme un bourrin. Ce qui fait que impossible de l'ouvrir. Et pourtant, hein, malgré tous mes efforts. Ça y est, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, ça y est. Je vous embrasse tous énormément. Je vous kiffe trop sa mère. Vous êtes trop chamé. Alors, je sais pas comment ils disent les jeunes. Vous êtes trop swag. Non, je vous adore. Surtout, ne changez pas. Ouais, alors, en plus, c'est un waterproof, mais franchement, je vois pas. Je suis pas complètement. Donc, on retire les petites. Imperfections liées aux chutes en passant un petit coup de pinceau, hein. Mais ouais, il est celui-là est sec. Bon, on m'avait prévenu, hein, on m'avait dit, tu sais, je te le donne, mais c'est vraiment pour que tu le testes une fois. Et puis moi, j'avoue que je mets jamais de waterproof. Parce que déjà, je vais jamais à la piscine. Et puis, j'évite de sortir quand il pleut ou quand il fait trop de soleil. En fait, la meuf, elle sort jamais, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, voilà. Sinon, bah. Quoi d'autre? Quoi d'autre, mes chéris d'amour? À part que vous êtes mes chéris d'amour de ma vie. Ben. Quoi d'autre? Ça vous plaît déjà, comme ça? Moi, je me maquille souvent pareil, hein. Donc, franchement, si vous voulez voir des choses un peu plus extravagantes, un peu plus différentes, n'hésitez pas. Et puis, pour finir, en rouge à lèvres, on va mettre quoi? Vous avez une idée? Eh bien, pour terminer avec le rouge à lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres de chez Max & More. C'est un Max & More. Un Max Factor que j'ai eu chez Action, donc pas très très cher, je vous l'avoue. Et c'est des espèces de crayons qui sont hyper crémeux. Donc celui-ci c'est la teinte corail, hein. Mais comme je vous ai dit, c'est la Subtle Coral en la teinte 20. Teinte 20. Et ça fait un peu l'effet. Alors j'adore le rendu, je sais pas si vous voyez. Ils ont vraiment des effets un peu métalliques, reflets. Ils sont canons, quoi. Franchement, pour le prix, ils sont canons. Le seul inconvénient que je leur trouve, c'est que, en fait, ça se tourne pas, ça se taille. Mais ils sont hyper confortables parce qu'en fait, ils ont la texture cireuse, en fait. Et ça, c'est une texture que j'aime beaucoup.
voilà, c'était tout pour notre Get Ready avec moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas maintenant, vous pouvez vous abonner directement en cliquant sur le logo, la vie en rose. Donc voilà, c'est chose dite. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Hein. Bisous, ciao. Are you listening?